J'aimerais te parler. Masako, que se passe-t-il? Un homme du nom de Kajiwara a recruté les hommes qui ont tué ma famille. Son nom est sur la liste. Il vit dans cette préfecture. Ce moine sait où, mais il refuse de me le dire. Junshin a bon fond. Je vais lui parler. Junshin, ravi de vous revoir. Pareillement, Seigneur Sakai. Dame Masako et moi cherchons Kajiwara, et vous savez où il est. Elle l'a accusé de choses vraiment terribles, et je crains pour sa vie si jamais elle le retrouvait. Masako a de bonnes raisons de croire qu'il a recruté les hommes qui ont assassiné sa famille. Il ne ferait jamais une chose pareille. C'est seulement un modeste pêcheur, un mari et un père aimant. Je crois que sa colère l'aveugle. Junshin, j'ai besoin de lui parler. Tant que vous ne faites que parler. Suivez la route en direction de la côte. La hutte de Kajiwara se trouve sur la plage. Alors ? Nous prendrons la route du littoral. Merci de ton aide, moine. Que la paix vous accompagne, Dame Masako. Je ne sais pas comment tu as réussi à convaincre Junshin. Il ne voulait même pas m'écouter. Je m'adressais à une pierre. Je crois qu'il a peur de vous. Peur ? Pourquoi ? Vous pouvez être intimidante. Dans le monde où nous vivons, ce n'est pas un défaut. Nous traquons un homme cruel et dangereux. C'était un serviteur de notre clan. Un homme fiable et doué, mais colérique. Nous l'en excusions jusqu'à ce que je le prenne en train de battre sa femme et sa fille. Le lâche, s'en prendre à sa propre famille. Je l'ai renvoyé, sur le champ. J'ai offert à sa femme et à sa fille de demeurer chez nous. Mais le jour suivant, elle l'avait rejoint. Ce n'est pas toujours simple. Surtout quand on pense que son bourreau peut changer. Ce chemin devrait nous conduire à la plage. Nous irons à pied pour passer inaperçus. Ne nous précipitons pas. Je ne veux pas mettre la famille de Kajiwara en danger. C'est la hutte de pêche de Kajiwara. Les Mongols l'ont trouvée. Ils l'ont peut-être déjà tué, ainsi que sa famille. Ou bien ils sont peut-être encore en vie. Allons-y. Défiez-moi! Bien, allons voir à l'intérieur de la maison.
rouleau de tissu. Pas du tissu, de la soie. Ce n'est pas à la portée d'un humble pêcheur. Cette lame est couverte de sang. Elle ne ressemble pas à une arme mongole. C'est un instrument de pêche. Ce doit être la femme et la fille de Kajiwara. J'ai toujours craint qu'elles ne finissent ainsi. Ce sont peut-être les Mongols. Alors où est le corps de Kajiwara? Masako, des traces de pas. Elles mènent à l'extérieur. Et si Kajiwara était en vie? Il a fui comme un lâche. Suivons ses empreintes. Kajiwara! Dame Masako! Une attaque mongole, ma femme et ma fille! Silence, vipère! Nous savons que tu les as tués. Par amour! C'était moi ou les Mongols! C'est ce qu'elle voulait. Espèce de... Jin! Tu as recruté les assassins qui ont tué ma famille! Qui te l'a demandé? Dis-le-moi et je te tuerai avec tendresse, comme tu as tué ta femme et ta fille. Tout ce que je sais, c'est que lui, il comprenait. Comprenait quoi? Ce que c'est d'être ruiné par vous, que de se retrouver pauvre, et de voir sa famille en pâtir. Je ne voulais pas en entendre davantage. Ces paroles n'étaient que mensonges. Excepté que j'ai causé sa perte. Je sais que Sadao le pensait aussi. Les conspirateurs sont liés par la haine. L'attaque de votre clan était personnelle. Orchestrée par un samouraï rival empli de rancune. Mais je ne vois pas qui cela peut être. Nous le trouverons. Nous avons encore affaire à Toyotama. Je te rejoindrai quand j'en saurai plus. Merci de ton aide, Jin. Bien, Sora.